Je vais vous parler aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un personnage tout à fait étonnant, d'une héroïne romantique, puisqu'il s'agit de la duchesse de Berry, dont on connaît la folle équipée survenue en 1832. Alors cette duchesse de Berry, Marie-Caroline, elle était la fille du roi de Naples, Ferdinand IV, et elle est mariée en 1816 avec le duc de Berry, qui était le deuxième fils du roi Charles X, hein, du futur roi Charles X, qui régnera donc à partir de 1824. Hein. On le sait, Louis XVIII n'a pas eu de descendance, et Charles X donc, a eu deux fils, le duc d'Angoulême et ensuite le duc de Berry, ainsi marié à cette princesse napolitaine. Princesse jeune, jolie, enjouée, qui va beaucoup séduire le vieux Louis XVIII, qui va être très populaire auprès des Parisiens, qui va lancer des modes mondaines, comme les bains de mer, par exemple, sur la côte normande. Mais cette duchesse de Berry, elle va être confrontée à un drame, on le sait, en février 1820, quand le duc de Berry, à la sortie de l'opéra, est assassiné par le républicain Louvel. Cette mort du duc de Berry, c'est une catastrophe un petit peu pour la monarchie de la Restauration, car il n'y a toujours pas de descendants susceptibles de monter sur le trône. Louis XVIII, je l'ai dit, n'a pas eu d'enfant. Charles X sera bien son successeur. Son frère Charles X montera sur le trône à sa mort en 1824. Hein, de comte d'Artois deviendra le roi Charles X. Mais sa propre descendance reste sans enfant. Et puis, il y a cette annonce tout à fait extraordinaire. Peu de temps après la mort du duc de Berry, on apprend que la duchesse est enceinte. Alors on va prier pendant plusieurs mois dans toute la France pour que vienne un garçon, bien sûr, qui pourra assurer la succession au trône. Et effectivement, au mois de septembre suivant, eh bien, c'est un garçon, Henri Dieudonné, duc de Bordeaux, comte de Chambord, celui que l'on va appeler l'enfant du miracle et qui va porter tous les espoirs des partisans de la monarchie. Oui, mais les choses, on le sait, vont mal se passer, puisque 10 ans plus tard, la monarchie de la Restauration est emportée par la Révolution de 1830, à l'issue des fameuses Trois Glorieuses qui aboutissent à l'abdication de Charles X. La duchesse de Berry, qui se voyait dans cette circonstance déjà dans la position de jouer le rôle d'une régente, est furieuse de l'attitude du roi, hein, qui abdique, qui va quitter la France, s'en aller vers Rambouillet, puis vers Cherbourg pour s'embarquer vers l'Angleterre et vers l'exil. Elle assiste impuissante donc à la chute de la branche aînée des Bourbons, furieuse de l'inaction de Charles X. Et pour elle, eh bien, c'est un usurpateur, Louis-Philippe d'Orléans, qui s'installe sur le trône, on sait dans quelles conditions, au cours de l'été 1830. En attendant, pendant ce temps, la duchesse et toute la famille royale de Charles X, je l'ai dit, s'est embarqué depuis Cherbourg, va gagner l'Angleterre, puis l'Écosse, où dans un premier temps, les exilés vont s'installer dans le château de Holyrood, proche d'Édimbourg. Alors Marie-Caroline s'accommode de cet exil, en plus c'est une admiratrice de Walter Scott, elle est tout à fait dans la sensibilité romantique de l'époque, c'est une grande admiratrice de Mary Stuart, qui séduit beaucoup aussi les imaginations romantiques. Donc, dans un premier temps, elle s'accommode à peu près de cet exil. Mais elle supporte mal Charles X, dont elle condamne l'inaction. Elle supporte mal aussi Madame Royale, la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, dont on sait qu'elle a survécu à sa captivité au Temple et qu'elle a épousé son cousin, le duc d'Angoulême. Alors, du coup, elle va
s'installer à part à Édimbourg, dans une maison de Cannon Street à Édimbourg. Et là, eh bien, elle va se conspirer contre celui qu'elle appelle le Philippe, c'est-à-dire contre Louis-Philippe monté sur le trône de France, devenu roi des Français dans les conditions que l'on sait en 1830. Alors tout cela agace un peu Charles X, qui lui promet le titre de régente si jamais elle débarque en France. Alors évidemment, il ne pense pas un instant que cette opportunité risque de survenir, mais elle prend ça très au sérieux, d'autant que la situation en France est difficile. Les débuts du règne de Louis-Philippe sont compliqués, la populace parisienne qui, plus ou moins confusément, souhaitait la République en 1830, a l'impression de s'être engagée pour rien. Il y a eu, au début de 1831, les émeutes et le sac de l'archevêché à l'occasion d'une messe anniversaire de la mort du duc de Berry. Il y a eu ensuite l'insurrection ouvrière des Canuts lyonnais, le gouvernement Lafitte des débuts de la monarchie de Juillet, le gouvernement du mouvement est rapidement débordé. Il faut faire appel à Casimir Perier, qui incarne ce qu'on appelle alors la résistance, moyennant quoi Casimir Perier va mourir rapidement, emporté par l'épidémie de choléra de 1832. Alors tout ça, ça crée des conditions qui font que la duchesse pense qu'elle a en quelque sorte une carte à jouer en rentrant en France. Alors elle va quitter l'Angleterre, passer par Rotterdam, par l'Allemagne, par l'Autriche, pour arriver jusqu'à Gênes. Mais le roi de Piémont-Sardaigne est prudent, pas du tout disposé à se créer des difficultés avec le monarque parisien. Le pape l'encourage, certes, mais en parole, sans faire grand-chose. Elle trouve finalement l'accueil. Elle bénéficie de l'accueil du duc de Modène et s'installe à Massa di Carrara, lieu à partir duquel elle continue à conspirer, parce qu'elle reçoit un courrier abondant en provenance de France, un courrier abondant des légitimistes, ceux qui sont partisans de son fils, ceux qui considèrent Louis-Philippe comme un usurpateur. Un courrier qui vient beaucoup des provinces de l'Ouest, qui traditionnellement avaient été à la pointe de la contre-révolution quelques années plus tôt. Cela dit, ses courriers lui donnent une perception assez erronée de la réalité. Elle se fait beaucoup d'illusions sur l'ampleur des soutiens sur lesquels elle peut pouvoir compter, et les dissidents légitimistes de leur côté, qui prennent un peu leur désir pour des réalités, font pression même sur elle pour l'encourager, en sous-entendant que si elle ne vient pas participer au soulèvement inéluctable, et bien il se fera sans elle. Alors toutes ces raisons font que la duchesse, le 3 avril 1832, à bord du Carlo Alberto, va débarquer près de Marseille, où elle compte rassembler un certain nombre de fidèles. Elle a avec elle son fidèle écuyer de Ménard, et puis le maréchal de Bourmont, le vainqueur d'Alger, qui est censé prendre la tête des troupes. Oui, mais là où on attendait 2000 insurgés, dans cette Provence, n'est-ce pas, considéré comme particulièrement fidèle au courant royaliste, il y en aura tout juste 200, et une manifestation vers l'hôtel de ville de Marseille sera rapidement dispersée. C'est un premier échec, il en faut davantage pour décourager la duchesse de Berry. Elle va gagner clandestinement la Vendée, à pied, à cheval, même montée sur un âne, déguisée en paysanne, ou en paysan, même en jeune paysan. Et elle va ainsi gagner la Saintonge, après être passée par Toulouse et Bordeaux. Elle va gagner la Saintonge, faire halte au château de Plassac, près de Saintes, puis va gagner ensuite le château de Montaigu à proximité de Nantes. Là, elle va retrouver le baron de Charette, dont le nom évidemment est tout un programme, qui est un parent du héros de la lutte engagée contre la République par les Vendéens. Finalement, les nobles locaux sont beaucoup plus réservés qu'elles ne le pensaient. Le duc de Coislin, qui est le chef de file des légitimistes bretons,
montre de nombreuses réserves, et l'avocat Berrière, qui est une des figures du parti légitimiste, l'adjure surtout de ne rien faire, parce qu'il a tout à fait conscience que le rapport des forces lui est tout à fait défavorable. Hein. Alors, la duchesse ne se décourage pas pour autant, je l'ai dit, elle est là clandestinement, déguisée en paysan, surnommée Petit Pierre, sa suivante, Céleste de Kersabiec, qui est surnommée elle Petit Paul, tout ça c'est évidemment dans un contexte tout à fait romantique, mais ça ne débouche pas sur grand chose. Le légitimisme littéraire et romantique tel que l'incarne par exemple Chateaubriand, ou les nostalgies des châtelains vendéens, bretons ou bas-normands, ça ne fait pas un courant politique suffisamment fort, cela ne pèse guère, et ce que l'on peut au mieux, c'est espérer une neutralité bienveillante des populations des régions concernées. Mais rien n'entame la détermination de la duchesse de Berry, elle se contente simplement de reporter la date du soulèvement, entre guillemets, du 24 mai au 4 juin 1832. En fait, elle ne dispose que de quelques maigres troupes capables de mener de modestes actions de guérilla. Le régime, le pouvoir, va déléguer sur place le général d'Hermoncourt, qui est un ancien de la guerre d'Espagne napoléonienne. Donc la guérilla, la lutte de ce type, cela le connaît bien. Il y a quelques combats modestes près du lac de Grandlieu. Du 3 au 4 juin, les partisans blancs sont dispersés près de Meudon. Charette est battue au hameau du Chêne. Elle réussit à s'échapper. Dans la nuit du 5 juin, il y a un combat au château de la Pénissière. Une soixantaine de ses partisans, là aussi, sont également vaincus. Et d'Hermoncourt évalue très vite les limites du mouvement. Hein. Il voit bien qu'il n'y a pas là une insurrection générale comme celle à laquelle pouvait rêver la duchesse de Berry. Alors celle-ci va se réfugier à Nantes, elle va gagner la grande ville de la région, elle va arriver le 9 juin 1832, elle va trouver refuge chez deux demoiselles légitimistes, les demoiselles de Guigny, trois rues hautes du château, avec sa suivante Céleste de Kersabiec, avec son fidèle Ménard, un autre fidèle Guibourg, et ils vont s'installer dans une mansarde du troisième étage de la maison qui présente la particularité de disposer d'une cheminée au sein de laquelle a été aménagée une cachette. Cela remontait à l'époque où Carrier faisait régner la terreur à Nantes en 1794. En fait, les autorités vont mettre 5 mois pour réussir à la trouver. Thiers a été nommé ministre de l'Intérieur en octobre 1832. Il faut qu'il réussisse à s'imposer vis-à-vis de Louis-Philippe. Il va donc donner la priorité à l'arrestation de la duchesse de Berry. Il va bénéficier pour cela de la trahison d'un certain Simon Deutz, qui a contacté le directeur de la police, Foudras, pour lui dire qu'il est peut-être en mesure de lui livrer la duchesse. Pourquoi ? Ce Deutz, c'est un juif de Koblenz à l'origine, converti au catholicisme, et qui a rendu visite à Massa di Carrara à la duchesse en se présentant comme recommandé par le pape, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Marie-Caroline naïve lui a fait confiance et en a fait l'un de ses agents secrets, entre guillemets, et notamment au Portugal, où elle pouvait espérer bénéficier d'un certain nombre de sympathies. Eh bien, ce Deutz, qui a donc la confiance Marie-Caroline, il va réclamer 500 000 francs à Thiers, qui va les mettre à sa disposition, et il va partir pour Nantes, et où il va prendre contact avec le préfet Duval, chargé d'aboutir à l'arrestation de Marie-Caroline. Il va réussir à se faire introduire auprès d'elle le 31 octobre, hein, puis ensuite va obtenir une nouvelle audience pour le 6 novembre, et là où il est reçu, donc dans la
dans le refuge que s'est trouvée la duchesse, il constate que la table est mise pour cette personne, donc qu'une réunion doit être prévue sans doute dans la soirée. Hein, il rend compte au préfet, qui va immédiatement dépêcher une colonne de soldats aux ordres du colonel Simon Laurière pour venir arrêter la fugitive. Ces soldats, le fidèle Guibourg qui se porte à la fenêtre à un moment, les voit progresser dans la rue, tout le monde va se cacher derrière la cheminée, hein, on fouille la maison, on ne trouve rien, on va amener ensuite des ouvriers qui vont sonder les murs, mais sans succès. On va quand même laisser deux gendarmes sur place pour au cas où la duchesse et ses partisans réapparaîtraient. Et les gendarmes en question, nous sommes en hiver, ils ont froid, ils vont faire du feu dans la cheminée. Et alors pendant un bon moment, ceux qui se sont cachés derrière vont supporter la chaleur qui se dégage ainsi, mais à un moment donné, la chaleur et également les fumées vont faire qu'ils sont obligés de sortir et de s'en remettre évidemment au bon vouloir des autorités. Alors, on va bien traiter la duchesse, le général d'Hermoncourt en particulier va la conduire à la prison de Nantes et puis de là, le 15 novembre, elle va être emmenée, elle va être transférée à la forteresse de Blaye en Gironde, non loin de Bordeaux. Hein. Le préfet local va l'y enfermer, donc, en expliquant qu'il est ainsi venu à bout de la dernière espérance de l'absolutisme. Hein. Bon, alors... Pour la petite histoire, elle est accompagnée depuis Nantes à Bordeaux par le colonel Choussery et l'officier d'ordonnance de ce colonel, eh bien, il s'appelle le lieutenant Petit Pierre. Hein. C'est une coïncidence évidemment amusante puisqu'il porte le même nom que le surnom que la duchesse s'était attribué dans la clandestinité. Alors les choses ensuite vont se passer de manière un petit peu inattendue et un peu défavorable pour la duchesse puisque le 10 mai 1833, elle va donner naissance à une fille, Anne-Marie Rosalie, ce qui va évidemment jeter le discrédit sur la duchesse, gardée désormais par le général Bugeaud, dont on sait comment il s'illustrera ensuite en Algérie. Hein. Alors les partisans légitimistes de la duchesse et de son fils inventent alors un mariage secret avec un noble italien, le comte Hector Lucchesi Pelli, pour justifier cette naissance pour le moins inattendue. Bon, à l'époque de la conception, l'intéressé se trouvait en Hollande, donc on peut penser que cette attribution est pour le moins discutable, c'est sans doute en fait le fidèle Achille Guibourg qui est sans doute le père de la petite fille en question. Le comte Lucchesi Pelli n'en revint pas moins chercher son épouse, entre guillemets, lors de sa libération pour sauver les apparences. En fait, la chance qu'elle avait cru pouvoir saisir, cette duchesse de Berry en 1832, désormais ne se représentera plus et elle mourra en 1870 en Allemagne, en laissant le souvenir de cette aventure un petit peu extraordinaire qui a été immortalisée par Jean de La Varenne dans son roman Manne d'Arc. La duchesse avait rêvé, c'était une héroïne typiquement romantique, hein, et son aventure illustre aussi les limites de la cause légitimiste. Hein. Les légitimistes ne vont pas désarmer pour autant, on le sait, après la chute du Second Empire en 1870, hein, eh bien, toute une partie de l'Assemblée de Bordeaux est acquise au comte de Chambord, hein, dont on veut faire le roi Henri V, mais on sait comment, à cause de la
bataille à propos du drapeau blanc, les deux familles du camp royaliste, orléaniste et légitimiste, ne pourront pas s'entendre, ouvrant ainsi la voie à l'instauration finale de la Troisième République. Alors je me glisse aujourd'hui à la place de Catherine pour vous présenter le programme de voyage de la nouvelle revue d'histoire, voyage organisé en liaison avec l'agence spécialisée Clio. Alors pourquoi ces voyages de la nouvelle revue d'histoire ? Nous avons pensé il y a quelques années qu'il y avait une demande, qu'il y avait un besoin chez nos lecteurs, chez tous ceux qui sont des amoureux de l'histoire, de retourner en quelque sorte sur les lieux où celle-ci s'est écrite. Et ben nous avions raison de penser cela puisque ce sont des opérations, des actions qui ont rencontré de fait un grand succès auprès de nos lecteurs et que nous avons développé régulièrement donc au cours des dernières années. Nous avions dès 2011 organisé un premier voyage à Verdun qui avait été un succès et qui nous avait encouragé à poursuivre sur cette voie. Nous avons continué en 2012 avec un voyage organisé en Normandie, sur les traces à la fois de Frotté, le chef célèbre de la chouannerie normande, et sur les traces de Jean de la Varande, le célèbre écrivain, l'auteur de Nez de cuir, l'auteur de L'homme aux gants de toile, écrivain malheureusement oublié aujourd'hui, ressuscité en quelque sorte avec la belle biographie que lui consacra il y a quelques années Anne Brassier, mais qui a rencontré en son temps un succès considérable. Alors ce voyage nous avait emmené d'abord au Chamblac, dans le château de Jean de la Varande, où nous avions été remarquablement reçus par sa famille, nous avait emmené également à Domfront, parce que nous avions eu l'occasion au cours de ce voyage d'évoquer la Normandie des Plantagenets, qui avaient installé leur cour pendant un temps à Domfront. Nous étions allés aussi au château du marquis de Frotté, qui nous avait ouvert le musée qu'il a consacré à la chouannerie normande et à son histoire. Et nous avons terminé le circuit à Verneuil-sur-Avre, là justement où Frotté, traîtreusement arrêté à Alençon, a été fusillé après un procès des plus expéditifs. Nous avons bénéficié pour cette circonstance de la présence d'André Demolin, qui est un des responsables du souvenir de la chouannerie normande, et ces deux jours ont été un voyage dans le temps et dans l'espace qui ont tout à fait séduit nos voyageurs. En 2013, un petit peu dans le même esprit, c'est à Reynald Séché, le grand spécialiste des guerres de Vendée, que nous avons demandé d'accompagner nos voyageurs sur un circuit qui les a menés à la fois au Luc-sur-Boulogne, à Saint-Florent-le-Vieil, où les Vendéens passèrent la Loire, à Savenay, où l'armée catholique et royale connut son ultime défaite, également à la Chaboterie, le manoir de Charette. Là aussi, en compagnie de Reynald Séché, nos voyageurs se sont plongés dans une séquence majeure de notre histoire nationale. Nous avons récidivé l'année suivante, en 2014, toujours avec le même Reynald Séché, avec un voyage à Quiberon, Quiberon qui fut le théâtre, on le sait, du débarquement des émigrés, débarquement manqué de juillet 1795, qui se termina tragiquement par les fusillades organisées par Hoche. Ce fut l'occasion également d'évoquer la figure de Georges Cadoudal et d'évoquer les chouans bretons du Morbihan. Toujours en 2014, un voyage
plus ambitieux cette fois, un voyage d'une semaine en Castille qui a été accompagné par moi-même et puis par Arnaud Imatz, le spécialiste, meilleur spécialiste français sans doute de la guerre d'Espagne, qui nous a amené à Alcalá de Henares, à l'Escorial, au palais de la Granja, au Valier de los Caídos, évidemment, à Ségovie, à Avila, à Yuste, le refuge ultime de Charles Quint, ainsi qu'à Rarandia de la Vera, son dernier palais au pied de cet ermitage, à Tolède bien sûr, à Aranjuez et finalement à Sigüenza, la patrie du Doncel qui résume seule la grandeur de l'Espagne de la fin de la Reconquête, une Espagne qui s'apprête à partir à la conquête du Nouveau Monde. Donc un voyage plus important mais qui fut lui aussi un grand succès. Nous avons renoué avec des voyages plus réduits dans le temps en septembre 2014, il s'agissait c'est là, bien sûr, de célébrer le centenaire de la bataille de la Marne, cette fois avec le colonel Rémy Porte, qui est un de nos meilleurs spécialistes de l'histoire de la Première Guerre mondiale, auteur de nombreux ouvrages sur la question, notamment une biographie de Joffre qui fait autorité. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Villeroy sur les traces de Charles Péguy. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au Faton de Mondement et puis en d'autres endroits pour évoquer justement cette bataille décisive livrée en septembre 1914. Toujours la Première Guerre mondiale, puisque en avril 2015, nous avons emmené nos voyageurs à la fois aux Éparges, à l'est de Verdun, et puis à Vauquois, à l'ouest de Verdun cette fois, pour évoquer les combats qui s'y sont livrés essentiellement durant l'année 1915, avec au retour les champs de bataille de l'Argonne et les champs de bataille de Champagne, hein, avec notamment une visite du fort de la Pompelle qui a ouvert récemment un nouveau musée. Nous avons eu également, durant cette année 2015, un voyage à Rome, là encore un grand voyage d'une semaine, avec Jean-Louis Voisin, qui est un des meilleurs spécialistes de l'histoire romaine. On a surtout centré le voyage, même s'il y a eu quelques parenthèses consacrées à la Rome baroque, était surtout consacré à la Rome antique. Hein. Jean-Louis Voisin, dont on attend la publication bientôt d'un Trajan qui fera sans doute autorité pour longtemps. Et ce voyage à Rome, depuis le Forum, le Colisée, la Villa d'Adrien, à Tivoli, le site de Palestrina, a été lui aussi un grand succès. Quelque temps après, en septembre de l'année dernière, en 2015, donc un nouveau voyage en Lorraine cette fois, un voyage de 3 jours, à la fois l'histoire de la Lorraine, à Nancy, au château de Lunéville, à la fois le front de 1914, surtout 1915, hein, les combats des Vosges, l'Ilsenfürst, le Lingekopf, l'Hartmannswillerkopf, et puis aussi un retour vers le XVIIe siècle avec la campagne d'Alsace de Turenne de 1675, conclue d'ailleurs par la victoire, mais aussi la mort du général en question. En avril 2016, nouveau voyage prévu, organisé à Verdun, hein, avec là cette fois Vaud, Douaumont, la côte 304, le Mortum. Gros succès puisqu'il était plein, on n'a pas pu amener tout le monde. Donc un deuxième voyage est prévu les 7 et 8 octobre prochains. Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des renseignements, il faut s'adresser à l'agence Clio, qui est sur la logistique de nos voyages, hein, à Anne Closure, 01 53 68 82 98 01 53 68 82 98 anne.closure clauzure@clio.fr. Un voyage dans quelques jours va partir pour Vienne, hein, un voyage de 4 jours pour la capitale bourgeoise à l'occasion du centenaire de la mort de l'empereur François Joseph. Hein, ça sera l'occasion de visiter une grande exposition organisée à Schönbrunn, mais de visiter aussi la crypte des Capucins, la Hofburg bien sûr. Et au printemps prochain, un grand voyage en Espagne de nouveau,
autour du thème de l'épopée de la Reconquista, depuis Covadonga dans la montagne cantabrique jusqu'à Grenade, où nous terminerons le voyage à l'Alhambra, à l'issue d'une semaine qui nous fera passer par León, Ségovie, Tolède, Calatrava, Las Navas de Tolosa et Cordoue. Donc, pour avoir des renseignements concernant ces voyages, je répète, hein, l'agence Clio, Anne Clausure, C-L-A-U-Z-U-R-E, 01 53 68 82 98, anne.clausure@clio.fr. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Christophe Levental, qui est un spécialiste de Louis XIV. C'est quelqu'un qui a fait une carrière dans l'édition, qui est un spécialiste des livres anciens, mais en même temps, c'est un élève de Jean Meyer, l'un des grands 17e-istes de sa génération. Il a réalisé une thèse monumentale consacrée à la noblesse française à l'époque moderne, et il s'est ensuite consacré à des travaux de recherche de grande envergure à propos du règne de Louis XIV. Ça a donné notamment un ouvrage tout à fait exceptionnel, hein, qui s'intitule « Louis XIV, chronographie d'un règne », publié aux éditions Infolio. Hein, c'est une chronologie au jour le jour, extrêmement précise, extrêmement détaillée, de la vie et du règne de Louis XIV. Pour vous donner un petit peu une idée du travail d'érudition qu'a représenté cette recherche, l'index ne compte pas moins de 20 000 entrées. Hein. Donc, Louis XIV, chronographie d'un règne, je signale également Louis XIV, lumière sur le roi soleil, aux éditions Rive Neuve. Alors, Monsieur Levental, pourquoi cet intérêt particulier pour Louis XIV ? C'est une vocation ancienne, vous avez été séduit, comme beaucoup d'enfants, par l'histoire en général et par ce personnage en particulier, ou est-ce que c'est une découverte ultérieure ? C'est une découverte plutôt ultérieure, effectivement, due à une orientation, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, plus tardive d'historien, plus tardive que la plupart de celles des étudiants qui commencent leur carrière universitaire à l'âge normal en histoire, à l'âge de 18 ans, donc une carrière plus tardive, suscitée par un goût de l'histoire qui m'avait été donné par le droit. Ça, c'est la première étape, le goût pour l'histoire révélé par l'histoire des institutions, en faculté de droit. C'est vrai que la matière histoire du droit a permis à beaucoup de révéler des qualités d'historien exceptionnelles. Je pense à Le Marinier, par exemple, sur les institutions de l'ancienne France, et puis il y en a un certain nombre d'autres dans le même profil. Et alors, et pourquoi spécialement Louis XIV ? Alors, deuxième étape, ma thèse de doctorat sur trois siècles, mais qui m'a fait comprendre que je préférais me spécialiser dans, d'une part, une période plus courte, et d'autre part, dans la période centrale des trois siècles modernes, qui m'éloignait à la fois d'un XVIe siècle dans lequel je me trouvais moins à l'aise, et d'un XVIIIe siècle qui me rapprochait trop d'une révolution française qui imposait, malheureusement, peut-être à leur corps défendant, mais à beaucoup d'historiens, de faire une histoire téléologique, c'est ça. Voilà, que je refuse, et qui m'a un peu dégoûté du XVIIIe siècle. Donc j'ai choisi le milieu de la période pour me consacrer à Louis XIV, qui en plus se trouvait être le monarque type qui a peut-être, pour certaines personnes, poussé la monarchie à sa perfection. Pour moi, c'était effectivement un pic indépassable. Je le dis dans la préface de l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de signaler, « La chronographie d'un règne ». C'est vrai que je pense qu'après lui, il a créé un tel habit à sa taille, à sa dimension, qu'il était très difficile à ses successeurs de l'endosser. On ne peut pas le reprocher, je pense, de ne pas avoir réussi à endosser de la même façon, aussi habilement, aussi avec autant de persévérance, l'habit que Louis XIV avait su créer.
C'est son défaut peut-être, c'est son handicap, ouais. Mais on ne peut pas lui reprocher non plus, je crois. – Bien sûr. Alors ce que je voudrais avec vous aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, c'est remettre en cause un certain nombre d'idées reçues dominantes, peut-on dire, à propos de Louis XIV et de son règne. Tout d'abord, cette idée qui s'est imposée dans l'historiographie républicaine du XIXe siècle, d'un Louis XIV monarque absolu, d'un Louis XIV disposant de tous les pouvoirs, tout cela justifiant à des titres divers le qualificatif de tyrannie donné à son règne, hein, que l'on retrouve jusque dans l'histoire scolaire telle qu'elle est encore souvent enseignée. Qu'en est-il vraiment de tout cela? Quelle distinction peut-on faire entre la monarchie administrative, c'est le terme qu'affectionnait Pierre Chaunu notamment, et la monarchie absolue, où là nous avons un qualificatif qui est évidemment a priori beaucoup plus polémique. Le sujet est très délicat, on mène dans des discussions sans fin. Je l'ai abordé dans une note de ce second ouvrage que j'aurais voulu développer davantage, mais je n'ai pas pu développer, que j'aurais voulu développer davantage dans cette lumière sur le roi soleil, pour expliquer à la suite de, je ne suis pas le seul bien sûr, à la suite de nombreux historiens d'aujourd'hui, que cette notion d'absolutisme est une absurdité. Mmh. C'est ce que je pense. Je pense que ça ne veut rien dire, c'est très commode, c'est une étiquette que l'on colle quand on ne connaît pas les institutions de la monarchie de Louis XIV, sur Louis XIV, qui repose sur une base de vérité, c'est certain, mais encore il faudrait la définir, et c'est une chose qui est très difficile. Elle est à l'origine peut-être simplement l'indépendance que revendiquaient les rois de France par rapport à la souveraineté pontificale, il ne faut pas l'oublier, oui. Donc c'est une chose qu'il faut avoir en tête, c'est une indépendance de gouvernement que les rois de France ont toujours voulu maintenir et conserver tout au long des siècles, c'est ce qu'on appelle leur gallicanisme politique, et d'autre part… Du point de vue de la politique quotidienne, ça recoupe beaucoup d'autres choses, une indépendance vis-à-vis d'autres puissances temporelles, notamment celle de l'empereur, évidemment, au premier chef qui comptait beaucoup pour le roi de France également. Et ensuite, si on rentre dans la définition plus précise du gouvernement quotidien, on peut se poser la question de savoir si en théorie le roi de France pouvait tout faire et deuxièmement si en pratique il pouvait tout faire. Et je crois que moi je me suis posé la question longuement, j'ai étudié Louis XIV depuis de nombreuses années, je ne pourrais pas répondre au bout de 20 ans d'études approfondies, je crois, que Louis XIV avait tous les pouvoirs, pensait avoir tous les pouvoirs en théorie et que dans la pratique il les avait. On dit… C'est difficile évidemment de faire des comparaisons, mais on dit qu'un président de la République d'aujourd'hui, par exemple, a beaucoup plus de pouvoir qu'un Louis XIV. Je pense qu'un Louis XIV n'aurait jamais imaginé pouvoir bouleverser la famille dans des lois comme celles que nous voyons depuis de nombreuses années, malheureusement, en France, sur le mariage, sur différentes sortes de mariages ou de pseudo-mariages. Louis XIV, je pense, n'aurait jamais imaginé avoir ce droit-là, ce pouvoir-là. Oui, alors je crois que de toute manière, il y avait des limites pratiques concrètes, ne serait-ce que la distance. Voilà, hein, vu le temps que l'on mettait pour aller de Paris à Marseille ou à Toulouse, ou, bien entendu, à l'époque de Louis XIV, le pouvoir absolu du roi ou supposé absolu du roi ne pouvait s'exercer, comme ça peut être le cas aujourd'hui, où en opération extérieure à des milliers de kilomètres, il suffit d'un coup de téléphone pour commander l'ouverture du feu, par exemple. Hein. On dit que… Il n'y a rien de comparable. On dit qu'un, je ne sais plus dans quel ouvrage, quel historien a écrit que certains paysans du Languedoc, par exemple, pouvaient passer toute leur vie sans entendre parler du roi ou de ses agents. Ouais. Bon, c'est un petit peu vrai, c'était vrai avant Louis XIV, c'est peut-être un petit peu moins vrai après. Mmh. Mmh. C'est vrai que le développement, vous l'avez évoqué, de la monarchie administrative, notamment grâce aux intendants, qui ne sont finalement que ce que sont les préfets d'aujourd'hui. C'est ce qu'avait bien montré Tocqueville dans son ancien régime. Alors,
difficile de critiquer l'institution des intendants en soutenant, en défendant celle des préfets, qui ont aussi, eux, peut-être encore plus de pouvoir. Oui. Et puis, il est vrai, alors tout à fait vrai, que matériellement, les conditions étaient totalement différentes et qu'il est peut-être vain, pas inintéressant, mais enfin, vain en tout cas, de poser la question de savoir ce qu'un Louis XIV, avec les institutions de l'époque et les pouvoirs d'aujourd'hui, les pouvoirs techniques, les pouvoirs de la technique, pourrait faire dans le gouvernement quotidien du royaume. – Et puis je crois qu'il y a même, par rapport à cette idée d'une monarchie absolue, complète, d'une autorité sans limite, les limites juridiques, que sont les lois fondamentales du royaume. – Les limites juridiques, les limites religieuses, religieuses également, bien sûr. Mais effectivement les limites des lois fondamentales, sur lesquels il y a quand même un petit bémol à apporter à propos de Louis XIV, qui est peut-être la seule faute, et on reparlera tout à l'heure de l'édit de Nantes, et sur laquelle j'ai une opinion peut-être pas tout à fait politiquement correcte, mais en tout cas, pour ce qui est de ces questions-là, Louis XIV avait certainement beaucoup moins de pouvoir que ce que l'on pourrait dire. Penser aujourd'hui. – C'est ça, oui, c'est-à-dire que, entre autres choses, il est obligé de prendre des décisions en son conseil, alors avec tout ce que cela peut impliquer, ce qui justifiera au final la convocation même des États généraux au siècle suivant. – Tout à fait, oui, excusez-moi, oublié de dire dans la suite de ma phrase, c'était le cas du petit problème que Louis XIV pose avec l'habilitation à la couronne de ces bâtards. Et c'est là, parce que c'est là l'exception, justement, où il a franchi les limites, on lui reproche d'avoir habilité ces bâtards, reproche entre guillemets, je n'ai aucun titre à le faire, ni en tant qu'historien, ni en tant que français d'une autre époque, mais c'est vrai qu'en habilitant ces bâtards à la couronne, il a un petit peu bouleversé ses lois fondamentales, qu'il essayait de respecter un peu dans la plupart des cas, mais c'est une exception. C'est-à-dire les bâtards, pour préciser pour nos téléspectateurs, c'est le duc du Maine et le comte de Toulouse. Ces deux bâtards de Madame de Montespan, qu'il a habilité, tout en précisant une fois encore qu'il ne les a habilités qu'à la fin de toute la dynastie capétienne, c'est-à-dire qu'en cas d'extinction totale de tous les princes du sang légitime, les Bourbons, les branches cadettes d'Orléans et les Condé, seulement en cas d'extinction complète de ces branches, les bâtards auraient pu succéder. Mais cela violait les lois fondamentales de la monarchie française qui exigeaient que le roi fasse des princes du sang dans le lit de la reine et pas autrement. – Et alors, cette notion de monarchie absolue, le terme absolu, il apparaît à quel moment Comment s'impose-t-il ensuite dans l'historiographie ? Le terme, déjà à l'origine, signifie plutôt délié. Délié, c'est-à-dire indépendant dans l'optique des gens de l'époque. Il n'a peut-être pas encore, en tout cas, la signification que nous lui donnons aujourd'hui. La connotation autoritaire exclusive. De sans limite. Okay. C'est un terme qui s'impose ensuite dans l'historiographie, chez Lavis, bien sûr, mais aussi, on le voit chez Mandrou, par exemple, qui publie un livre sur les monarchies absolutistes. C'est tellement facile. Et en plus, on voit bien qu'à l'époque, je me souviens d'une conversation avec Pierre Chaunu à ce sujet-là, justement, le terme de monarchie administrative auquel se ralliaient les grands 17e-istes de l'époque, héritiers de Roland Mounier et de ces gens-là, ça n'a jamais pris, quoi. Ça s'est jamais imposé dans le langage courant. – J'essaie de l'utiliser dans mes ouvrages, plutôt justement, disant que c'est plus exact, c'est un développement de la monarchie, certainement, de l'administration, un renforcement du pouvoir des intendants, une augmentation du nombre des
du personnel, du personnel travaillant dans les ministères, sans aucun doute, mais par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, c'est encore dérisoire. Bien sûr, oui. Alors, vous m'avez intrigué tout à l'heure, ou tout du moins, vous avez soulevé ma curiosité en m'expliquant que vous n'aviez pas un point de vue forcément historiquement correct concernant l'édit de Fontainebleau, plus connu sous le terme de révocation de l'édit de Nantes. Alors j'aimerais bien vous entendre à ce propos, car c'est évidemment l'un des arguments très souvent avancés, l'une des armes brandies contre Louis XIV, cette affaire-là de 1685. – Alors il y a beaucoup, oui, du 17 octobre 1785, lorsque Louis XIV était à Fontainebleau, il a signé cette révocation de l'édit qui avait été pris, signé par son grand-père Henri IV en 1698, et qui révoquait donc ces dispositions favorables à l'exercice public de la, ce qu'on appelait à l'époque la religion prétendue réformée. La RPR. Ouais. Voilà. Et donc, ce mois d'octobre 85, à Fontainebleau, Louis XIV décide de mettre un terme à cet exercice public. Il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de choses à dire sur cet événement. Ça implique beaucoup de points précis, de religion, de politique, qui sont malheureusement totalement incompréhensibles pour nos contemporains, qui ne sont pas dans l'optique et dans l'idée de l'époque, qui ne peuvent pas comprendre et ne savent pas souvent, mais ne peuvent pas en tout cas comprendre que le premier devoir d'un roi de France était, d'après son serment de sacre, d'exterminer au sens, entre guillemets, parce que c'était le sens qui signifiait chasser les hérétiques de son royaume, que c'était son premier devoir, que Louis XIV finalement, en révoquant cet édit qui n'était que provisoire en 98 est un pis-aller parce que tout le monde ne considérait possible qu'un royaume n'ait qu'une seule voie, qu'une seule religion. En 1598, ça correspondait à un rapport de force précis. Il fallait en finir avec les guerres civiles qui duraient depuis plus de 30 ans. Déjà, Louis XIII et Richelieu, avec l'édit d'Alès en 1629, avaient déjà commencé à réduire ce qui avait été accordé aux protestants. Puis il y a une chose, et vous en serez d'accord, je pense, c'est que Louis XIV, il a le souci de son salut personnel et du salut de son peuple. Ce sont ces questions-là qui sont en cause. Ce n'est pas la liberté de penser, la tolérance, qui sont des termes largement anachroniques quand on les applique à la période concernée. – C'est exactement ce que j'allais vous dire. Effectivement, parmi les choses qui sont difficilement compréhensibles aujourd'hui, penser que dans cette mesure, il pouvait y avoir même de la charité chrétienne, parce que, il ne s'agissait pas de massacrer les protestants, il s'agissait d'interdire le culte public et de chasser les pasteurs qui se refuseraient à appliquer cette décision. Mais sinon, il ne s'agissait pas bien sûr de massacrer les populations. Et dans le fond, non seulement il y a cette réponse à la demande du sacre, il y a le fait que dans l'immense majorité de la population française, catholique bien sûr, soutien populaire. Il y avait un soutien populaire qui s'est manifesté par la suite dans du règne et qui a aidé le roi dans des périodes difficiles, mais qui était évident. Ce que je dis aussi aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de dire qu'on est pour la démocratie, mais qui dans le cas de l'une des rares mesures démocratiques, entre guillemets bien sûr, prise par le roi Louis XIV au cours de son règne, on va la critiquer. On peut parler aussi des conséquences de cette révocation. Et j'ai étudié dans le cadre d'un autre ouvrage sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion d'étudier la présence des Jacobites en France. Oui. Alors on oublie souvent, effectivement, quand on parle de ce désastre, de cette fuite qui n'est pas niable, de quantité de population protestante après la révocation, de gens qui ne voulaient pas se convertir et qui voulaient donc persévérer dans leur foi religieuse séparée du catholicisme, et donc qui sont partis de France. Le chiffre est sujet à controverse. 80 000. On est entre 80 000, 100, 120 000, il y en a qui disent jusqu'à 300 000. Ce qui me paraît très exagéré. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est de dire que dans le même temps,
pendant la même période, il y avait des exilés jacobites, c'est-à-dire ces fidèles catholiques des Stuarts, qui venaient en France et qui ont été quand même aussi un très grand nombre, plusieurs dizaines de milliers, et qui ont compensé, pas totalement bien sûr, pas de la même façon bien sûr, mais qui ont compensé en partie la fuite des protestants français à l'étranger. – Nous sommes à une époque où le principe « cuius regio et ius religio » formulé à Augsbourg en 1555, vaut dans tous les pays. Il n'y a pas de catholiques en Angleterre. Et les persécutions anticatholiques en Angleterre, sous Cromwell notamment, sont infiniment plus violentes que ce qui a pu survenir en France à l'époque de Louis XIV. C'est toujours intéressant, de le rappeler. Hein. Alors, il y a un autre aspect du personnage de Louis XIV ou un autre aspect de son règne que l'on met souvent en avant dans une perspective critique. Louis XIV, c'est la guerre. Hein. C'est la fameuse formule, sans doute apocryphe, n'est-ce pas, à son petit-fils sur son lit de mort, « J'ai trop aimé la guerre », mais c'est aussi le titre du livre de Joël Cornette, « Le roi de guerre », hein, qui a un sens beaucoup plus général, mais qui nous renvoie à cette image-là du roi soleil. Alors, que peut-on dire de ce point de vue? Est-ce que Louis XIV, il aime la guerre pour la guerre? Est-ce qu'il a eu des ambitions politiques, territoriales, démesurées? Quel jugement, avec le recul que nous avons par rapport à l'époque, pouvons-nous apporter à ce sujet ? Beaucoup de choses encore à dire là-dessus, bien sûr. En très peu de temps, c'est un petit peu difficile. Je dirais que des historiens récents, comme le Britannique John Lynn, qui écrit « La guerre de Louis XIV », publié en 2010, un excellent livre, et d'autres auteurs qui ont abordé la question, disent que finalement, Louis XIV était beaucoup moins belliqueux que certains autres souverains de son époque, à commencer par son ennemi intime, Guillaume, le Statthouder des Provinces-Unies, Guillaume d'Orange, qui était lui beaucoup plus belliqueux que Louis XIV. Et on qualifie maintenant la politique militaire de Louis XIV plutôt de politique de défense agressive. C'est un terme que je trouve très approprié, qui correspond à ce que j'ai vu, compris, étudié dans ces guerres de Louis XIV. Le souci essentiel qui date évidemment du début du règne, c'est de poursuivre la politique des cardinaux ministres, de réussir à éloigner cette frontière nord-orientale qui était beaucoup trop proche de Paris, qui avait été menacée encore à la fin du règne de Louis XIII. Il fallait l'éloigner à tout prix. Et on a pris des prétextes qui étaient plus ou moins valables, comme les droits prétendus, c'est vrai, un peu tirés par les cheveux de la reine Marie-Thérèse sur les Provinces-Unies, sur les Pays-Bas espagnols, plus exactement, pour essayer d'entamer une guerre en 67. Qui parachevait des réunions de province déjà bien entamées et bien réussies par Mazarin et par Louis XIV dans ses premières années du règne. Puis la politique des réunions là, dans les années 1680, ça s'inscrit aussi dans ce souci, je dirais territorial, on dirait aujourd'hui géopolitique, de réaliser une continuité territoriale. Donc défensif. Le tout verrouillé par la ceinture de fer de Vauban. Voilà. Et il y a un élément que l'on oublie, je pense, à ce sujet, vous serez sans doute d'accord avec moi, c'est que si l'on compare la politique de Louis XIV dans ce domaine, elle apparaît beaucoup plus cohérente, beaucoup plus fondée rationnellement, politiquement, que celle, par exemple, des Valois qui s'embarquaient dans les aventures italiennes au-delà des Alpes, sur la base d'héritages dynastiques divers, de rêves de croisades, etc. À l'évidence, c'était une voie sans issue, ça a été conclu d'ailleurs en 1559 à Cateau-Cambrésis dans ce sens. La politique de Louis XIV, au contraire, apparaît, elle, beaucoup plus cohérente sur le plan territorial, et il va donner à la France, il va donner à la France sous son règne Arras, Lille, Strasbourg, Perpignan, Besançon. Ça, je crois que l'hexagone est quasiment constitué. Il manque encore la Savoie et Nice, hein, bien sûr, mais et la Corse, bien sûr. L'hexagone est quasiment constitué. C'est le résultat d'une longue évolution, évidemment, mais qui s'inscrivait dans une continuité et qui pouvait paraître tout à fait logique. Maintenant, oui.
Les Valois également avaient eu des motifs quand même dynastiques. Mmh. Ils étaient héritiers du Milanais, voilà, par Valentine Visconti. Mmh. Ça valait peut-être ni mieux ni pire que les prétentions de Louis XIV par rapport au droit qu'aurait eu Marie-Thérèse en fonction de près le droit de dévolution. De la guerre de dévolution. Voilà. Voilà. Bon, ce n'était que des prétextes, mais qui étaient quand même fondés sur un vague droit. Ouais. On estimait d'ailleurs toujours à l'époque qu'on avait besoin quand même de la preuve de se fonder sur un droit certain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre de Louis XIV en 67, parce qu'il ne déclarait pas la guerre pour conquérir un territoire, il demandait simplement à ce que son épouse soit mise en possession et qu'on arrête de lui mettre des bâtons dans les roues mettre en possession de ses possessions légitimes. – Il faut rappeler que cette guerre de dévolution, elle était liée au fait que la dot de Marie-Thérèse, à la suite du mariage avec Louis XIV n'avait pas été payé. Et donc la récupération d'un certain nombre de places sur la frontière des Flandres là, apparaissait de ce fait tout à fait légitime. – Et pour terminer encore, si vous le permettez, sur cette guerre, je voudrais dire un mot de la dernière guerre, peut-être que l'on accuse Louis XIV d'avoir malmené et dont on l'accuse d'avoir été à l'origine. Je pense que c'est celle de son règne qu'il a le moins voulu, qu'il a le moins désiré, qu'il a mené dans ses vieilles années avec beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, alors qu'il ne la souhaitait pas, que toute l'Europe liguée contre lui lui ont imposé C'est le testament de Charles II d'Espagne et la volonté de l'aristocratie espagnole de ne pas voir mis en cause l'Empire espagnol qui a fait que le roi Charles II mourant a fait du petit-fils de Louis XIV son successeur. Et Louis XIV a accepté ce testament. En n'oubliant pas que l'héritier légitime de la monarchie d'Espagne était quand même le fils aîné de Marie-Thérèse, c'est-à-dire le grand dauphin, qui s'est effacé au profit de son deuxième fils à lui, son propre deuxième fils, le duc d'Anjou. Pour ne pas réunir les deux couronnes d'entre les mains de la même tête et pas essayer d'éviter cette guerre justement, c'est quand même un droit tout à fait là qui est beaucoup moins contestable que le droit de Marie-Thérèse en 67. – Alors que ce fut sans doute la guerre la plus longue et puis la plus dure, cette guerre de succession d'Espagne, et la plus éprouvante pour la France, grâce à Villars et à la victoire de Denain, se termine finalement au bout du compte à notre avantage. De belles victoires, de belles réactions françaises. – Merci infiniment Christophe Levental de tous ces éclairages consacrés au règne de Louis XIV. Je rappelle le titre de vos ouvrages, « Louis XIV, Lumière sur le Roi Soleil » aux éditions Rive-Neuve. Et cet ouvrage monumental d'une érudition tout à fait impressionnante, « Louis XIV, chronographie d'un règne » aux éditions Infolio. –